Bonjour, nous sommes jeudi, il est 11h15. Je viens de rentrer. Ce matin, j'avais rendez-vous chez le kiné à 9h. Ensuite, j'ai dû aller chez le primeur, j'ai dû aller à Action, j'ai dû aller à Leclerc. Voilà, donc j'ai fait tout ça, je viens de rentrer. J'ai déposé mes fruits et mes légumes. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des bananes, artichauts, clémentines, échalotes, choux-fleurs. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, je suis passée à Action puisque je devais trouver des étagères pour mettre dans notre bureau, étant donné qu'on a fini, alors pas les rangements, mais on a fini l'installation. Donc je sais que ce que je veux contre les murs, etc., etc. Donc j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai trouvé ces petites étagères là qui s'accrochent avec des gros, je sais pas, je sais pas comment on appelle ça. Bref, j'en ai pris deux. Elles étaient à 2,95 € pièce. Donc voilà. Alors ça, c'est des choses qu'on peut faire très bien tout seul, hein. Mais bon, là, vu le prix, je me suis dit, hein, je pense que ça me coûtera plus cher de la faire moi-même que de l'acheter toute faite à Action. Et j'ai pris un lot de 4 étagères comme ceci en fer. Vous savez, pour mettre sur le mur comme ça, là. Donc voilà, il y en a 4 de 4 tailles différentes. Et puis voilà, je suis bien contente d'avoir trouvé ça. C'était les dernières, donc je suis ravie. Et ça ira parfaitement dans le bureau pour mettre de la déco, des petits bibelots. Voilà, parce que nous, on adore tout ce qui prend la poussière. Sinon, j'ai acheté une petite bouteille en plastique pour Doudou. Parce que hier, il arrêtait pas de me dire, j'ai jamais de bouteille sur mon bureau. Donc voilà, hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai acheté ces petits bonbons-là que j'adore. Ne cherchez pas à comprendre. Habituellement, je n'aime pas le goût de la fraise. Et là, j'adore ça. C'est comme ça, que voulez-vous? Et puis j'aime bien mettre ça dans ma bonbonnière vers mon bureau, comme ça au moins j'en ai toujours. Et donc ensuite, je suis allée à Leclerc puisque j'avais besoin de. Alors déjà, je voulais voir pour les offres Shopmium. J'ai rien trouvé d'extraordinaire. Et j'avais besoin de pain de mie. Donc j'en ai trouvé. Voilà, comme ceci. Je voulais prendre du complet, mais il n'y en avait pas, du complet sans mie. Et en fait, il y en avait, mais la date allait jusqu'au 2 février. On est le 31. Donc, comment vous dire que j'allais pas consommer 40 tranches de pain de mie en 2 jours. Donc voilà, j'ai préféré prendre du 100% mie Harris. C'est du pain blanc, mais bon, c'est pas bien grave. Et ensuite, j'en ai profité pour prendre des compotes qui étaient en réduction. Vous le savez, moi, ma passion compote. Charlie Alice, donc j'en ai pris 4 paquets comme ça de 8. Abricot, pêche, mirabelle et poire. Voilà, j'ai pris également ces petites choses-là qui étaient en promo. C'est les carrés gourmands tomates mozzarella. Ils sont super bons. C'est le bon végétal de Herta. Ils sont très très bons. Je les ai déjà goûtés. On les a déjà goûtés avec Doudou. Donc voilà, là ils étaient en promo. Ils étaient à moins 35% grâce à la carte. Donc ça valait le coup. Et puis je me suis laissée tenter par les nouveaux petits bonbons, la créma, à goûter. Voilà, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc voilà pour ce qu'il en est des courses. Je vais me faire à manger doucement mais sûrement parce que j'ai pas déjeuné ce matin et j'ai faim. C'est pas bien. Vous avez le droit de le dire. Petite réception du jour. J'ai reçu les petites bottes de pluie pour Cali. Donc c'est de la marque Aigle. Je les ai commandées sur Amazon. Je les ai payées 15 euros. Voilà. Je les ai pris en 21 actuellement, elle met du 20 et en fait, il conseille de prendre une taille au-dessus. Alors, je vais tester. Si c'est trop grand, je les renverrai. Et voilà, avec Amazon Prime, moi, je ne paye pas la livraison et tout. Donc, je vais tester tout ça. Je vais lui faire essayer tout à l'heure. Ça me paraît grand quand même. Ça me paraît très grand. On va tester tout ça. En tout cas, elles sont trop, trop belles et pour 15 euros, nickel. Voilà, vous les avez en fourré, en pas fourré et en plusieurs couleurs. Nous, avec Doudou, on s'est dit rouge, c'est très très bien. Vous avez noir, vous avez bleu marine, vous en avez plein. Vous en avez vraiment plein. Donc voilà, et elles sont trop belles, trop canon. J'ai presque envie de m'acheter les mêmes pour avoir les mêmes que ma fille. Enfin voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Hop! Sinon, je suis en train de me préparer à manger. À midi, c'est tartine avocat thon avec de la salade. C'est une recette croque-kilo. C'est très très simple. Très très simple. J'ai fait griller 2 tranches de pain, de mie. Ici. Je vais venir étaler l'avocat.
Et je vais venir mettre sur l'avocat du thon avec un mélange de ciboulette et un petit peu de crème fraîche. Et voilà, je vais manger ça avec une salade verte et ça sera parfait. Parfait, parfait, parfait. Je fais tout ça. Je vous mettrai la recette de croquilo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je fais tout ça et je vous montre ce que ça donne à la fin. Voilà, et comme d'habitude, j'utilise toujours l'application Croque-Kilo. Comme ça, moi, j'ai la recette sous les yeux, c'est beaucoup et plus... Et voilà la petite assiette des tartines d'avocat au thon. Recette Croque-Kilo. Comme je vous ai dit, je vous mets la recette dans la barre d'infos. C'est très simple, c'est très très simple. Et je me suis fait une petite salade de mâche. J'ai oublié la sauce, je vais devoir me relever, c'est pas grave. Mâche avec des tomates. Voilà, je suis devant le live de Juliana et Julien. Le sujet de midi, c'est est-ce que ça coûte cher d'avoir un enfant? Donc, autant vous dire que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Voilà, donc je vais regarder leur live tout en déjeunant. Et ça, c'est parfait. Voilà. Moi, j'adore. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, mais j'étais devant la télé, calme, sur le canapé et tout. Enfin, calme, tout est relatif, j'ai fait un gâteau. J'ai fait un moelleux au citron qui est ici. Voilà, il a bien doré, il a bien cuit. Je vais le mettre dehors là pour qu'il refroidisse un petit peu, le temps d'aller chercher la pépette. Et ensuite, j'appliquerai le sirop sur le dessus et ensuite les perles de sucre. Puisque moi, le gâteau au citron comme ça, le 4 quarts citron, un cake au citron, oui, un cake au citron. Je fais un sirop de citron sur le dessus et je mets des petites... perles de sucre et c'est très très bon. J'essaierai de vous faire des photos et de vous partager la recette sur le blog. Ce vlog sort samedi matin, donc j'aurai le temps. Normalement, j'aurai le temps. Je vais essayer, promis, j'essaye. Je fais tout mon possible pour pouvoir faire l'article avant que ça sorte. Enfin voilà, et là je vais le mettre dehors pour qu'il refroidisse, je vais aller chercher la pépette et on verra ce qu'on goûte, si on goûte ça ou si ça c'est pour le dessert de ce soir, peut-être pour le dessert, oui, peut-être, on verra, ça sera la surprise. Bon, voilà ce que donne le petit gâteau, il y a un bout qui a été entamé et je vous laisse deviner par qui, par mademoiselle Cali. Il est bon le gâteau de maman? Ah ouais, un bout dans chaque main. Okay. Quoi? Non, c'est pas chaud, il est pas chaud, il a refroidi le gâteau. Il est bon? Ça a l'air. D'accord. Main droite, main gauche. Mais non, c'est pas chaud. C'est chaud. Non, c'est pas chaud. Il est froid, il a refroidi. Bon, Doudou est rentré. Il est en train de lire des livres avec Calinette. Moi, j'ai fait le repas. Donc, au menu ce soir, artichaut. Donc, j'en ai fait 3. Je vais pouvoir en donner à Cali parce que la dernière fois... Alors, pas les feuilles, hein, bien entendu. Mais la dernière fois, elle avait bien mangé le cœur et elle avait adoré. Donc, voilà. Là, l'idée, c'est que je vais le préparer, je vais enlever le cœur et ça sera tout prêt. Sinon, j'ai fait des endives au jambon ici qui sont en train de cuire. Ça sent très bon. Et voilà, on va manger ça. Normalement, Doudou devait pas être là ce soir. C'était pas prévu. En fait, il devait bosser plus. Mais il y a eu changement de programme, donc il est là. Donc voilà, je me suis un petit peu pressée pour faire à manger parce que pour Cali, c'était prêt. Mais si Doudou était pas là, j'aurais fait autre chose. Mais bon, c'est pas bien grave. Endive au jambon pour ce soir avec des artichauts. Je vais faire une sauce salade. Et puis voilà, on va manger d'ici 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Nous, on mange vers 7h15 maxi parce que Cali a la faim en fait. Et comme on mange tous ensemble, voilà, on donne pas à Cali à manger avant. On mange tous ensemble. Au moins, c'est plus convivial. On préfère. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bonne chose de faite. On a une personne qui est venue nous acheter le meuble qu'on avait mis en vente sur le Bon Coin. L'annonce, elle s'est mise quand? Hier soir. Hier soir, et puis le meuble était vendu. On avait un message direct après que l'annonce soit mise en ligne, en fait. Voilà, donc quand ça se passe comme ça, c'est très très bien. Enfin, voilà. Allez,
sauce salade et après je mets la table est déjà mise, mais je vais mettre les brodeaux, enfin la bouteille d'eau, tout ça, que tout soit prêt et qu'on se pose à table, on bouge plus. Et ça c'est le mieux, c'est le parfait. Le homard. Là c'est la tortue. Tu dis tortue? Tortue. Ah. Oursin, ça pique. Elle essaye de le pincer. Absolument que tu le prennes. Tout ce qui pique, t'aimes bien que ça pique, toi. Hein. Là, c'est la Cali. Cali dit tortue. Tortue. C'est bien. Un escargot. Alors. C'est le désert avec du sable. Tu dis sable? Comme à la mer cet été. D'accord. Alors. Hibou. Tu fais coucou? Non, mais où il se va? Où il se va? Tu vas où? Tu fais coucou? Bonjour! Regarde l'écran. Allez, on grimpe, on va au bain, Calinette, pouette. Baba. Au revoir. Papa. Papa. Oui, c'est les photos de papa. Papa et maman, et Goji. Nous venons de coucher Calinette. Je vais prendre, 5 minutes de mon temps pour faire du Nutella maison. Parce que j'en ai bientôt plus, donc il faut que je refasse des pots. En sachant que quand je le fais au Thermomix, il faut les consommer dans le mois qui arrive. Mais je peux vous dire que ça se consomme très vite. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais m'attaquer à ça. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, mais en soi c'est très très simple. Il faut mixer des noisettes, il faut faire fondre du chocolat noir, du chocolat praline. C'est la bougie qui... Ah. Du chocolat praline, il faut ajouter du lait concentré sucré et mettre de l'huile de noisette. Et voilà, l'huile de noisette n'est même pas obligatoire, mais moi je trouve que ça donne un petit goût en plus, donc voilà, j'en mets à chaque fois. Voilà, allez, je m'attaque à ça et je vous montre une fois fini ce que ça donne. Parce que c'est... Généralement, j'ai du mal à mettre le truc dans le pot. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, le bruit que vous entendez, c'est le Thermomix qui est en train de touiller et de faire fondre le chocolat. J'ai mis un pot de lait concentré dans le Nutella, là. Et on était en train de parler avec Doudou, qu'à l'époque, dans les années 90, j'avais moins de 10 ans, donc c'est à peu près ça, entre 90 et 2000, on pouvait acheter en grande surface des berlingots avec tic et tac dessus. Il y avait à la vanille, au chocolat et à la fraise. Ils font plus ça. Quel dommage. Mais quel dommage. C'était tellement bon. Je ne sais pas si vous connaissez. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Mais alors moi, j'adorais ça. Hein. J'adorais ça. Et ils font plus. Doudou, il me dit, ils font d'autres trucs du genre. Mais c'est vrai que j'ai jamais tenté, en fait. Moi, je cherchais tout le temps les tic et tac. Ça existe peut-être dans les pays étrangers. Je ne sais pas s'il y a des abonnés qui en achètent. Je sais pas. Je sais pas. Dites-nous si vous arrivez à les trouver encore. Je crois que c'était Nestlé qui faisait ça. Et ouais, c'était en forme de petit berlingot et voilà. Nostalgie. Et voilà le petit Nutella maison. Donc au niveau de l'aspect, ça ressemble vraiment au Nutella. Bon, là je dirais que c'est un tout petit peu plus liquide parce qu'il est encore chaud, vu que ça a cuit. Mais franchement, c'est très ressemblant au Nutella. Hein. Et on a peut-être un petit peu plus le goût et l'aspect des noisettes avec celui-ci. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Doudou? Mais franchement, il est très très bon et je sais ce que j'ai mis à l'intérieur. Et je sais ce qu'il n'y a pas à l'intérieur surtout. Donc voilà. Allez, je vais ranger tout ça. Et vous la voyez, la cuillère là, qui va être léchée par mes soins. Bon, je suis en train de préparer le dessert, parce qu'on n'a pas pris notre dessert. J'ai fait mon Nutella avant de manger le dessert, tout va bien. Et on est en train de préparer notre petit planning du week-end, puisque je vous en ai parlé, mais ce week-end, Calinette, elle est chez mes parents. Enfin, pas tout le week-end, on la laisse de vendredi après-midi jusqu'à dimanche matin. Et il est bon, mon gâteau. Il est bon, ce gâteau. Bah bon, manque de chocolat. Quoi. Oui, c'est un gâteau au citron, donc oui, il n'y a pas de chocolat. La prochaine fois, je mettrai du pavot dans ce gâteau. Avec un liseré de chocolat au milieu. Non, tu devrais même carrément faire un marbré, tu vois. Donc marbré un chocolat citron. Non.
Non, puis non, fais plutôt un fondant genre cake. Voilà. Mais, ouais, voilà. Voilà. Tu, veux pas de citron. Tu veux un fondant au chocolat, quoi. je parlais de quoi, voilà, parce que tu me perturbes avec tes bêtises de chocolat. Donc, je disais, ouais, j'étais en train de préparer le planning pour ce week-end. T'es très mignon avec mon petit haut de maternité. puisque demain soir, on va au resto. On se fait un chinois. Ouais, enfin, oui. Un chinois vite fait. Oui, un chinois. Ah non, oui, le chinois qu'on a prévu tous les deux. Mais on se rattrape comme on peut. Pardon. Mais... Non, mais je me suis perdu dans mes pensées. Pardon. Veuillez continuer. Mais je vois même pas de quoi tu parles, en fait. Non, mais c'est moi. Je... On a pris un gros pont. Du coup, vite fait. D'accord, très bien. C'est vrai. Bah, j'ai une montée de lait. C'est les joies de la nature. Non, mais moi non plus, j'en peux plus, mais je sais pas ce qui se passe là. Je me dis, mais mince, je suis mouillée. Mais ouais. Est-ce que vous en pouvez encore de nous là? Parce que... Donc, attendez, je recommence. Donc, j'étais en train de préparer le programme pour ce week-end. Ça trempe dans le gâteau. Oh là là, on va y arriver, tout va bien se passer. Puisque, en fait, Cali, demain, elle est chez mes parents et on la récupère dimanche matin. Donc l'idée c'est de prévoir, on vous laisse faire un ciné, etc., etc. Donc demain soir on mange au resto pour notre anniversaire de rencontre. On se fait un ciné après. Qu'est-ce qu'elle fait elle dans la plante? Et voilà. J'ai eu un bol, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. samedi, qu'est-ce qu'on fait samedi? Samedi on change les pneus. Non, pour la cinquième fois. On interchange les pneus. Après, on se fait un brunch et après, on se fait un ciné. Voilà. Et le soir, on a un loto. Loto de campagne. Loto de campagne. Donc ça, ça va être cool. Ça va être trop cool. Ouais. Bref, donc voilà. Donc samedi soir, loto. Et puis dimanche matin, on va chez mes parents et on récupère la pépette. Et voilà. Donc ça va être cool. Ça va être un bon week-end. Je ne sais pas si on aura vraiment le temps de se reposer parce qu'on a prévu un bon programme, mais bon, en même temps, c'est ça. Hein. Ouais. Cali, on ne la fait pas garder tous les 4 matins, donc ben, on s'est prévu un bon week-end, quoi. Voilà. Bon, allez, je vais me prendre un yaourt. Attends. C'est du lait. Eh oui, non, mais moi, je veux aussi un gros pouce bleu comme le lait, là. Oh. Ah oui, en parlant de lait, parce qu'on m'a posé la question, je suis en train d'y penser. Est-ce que j'ai mangé le lait facile à digérer? Oui, j'en ai pris et j'ai été malade. Voilà. Ah oui, c'est vrai, le lait de bam. C'est la bouteille qui est au frigo, qui est ouverte, que va falloir que tu manges toi. Bah, il y a de la floraline. Ouais, j'ai été malade. Voilà, donc pour toutes celles qui se posaient la question à savoir si ça fonctionnait ou pas. Et du coup, c'est pas le lacto? Eh ben, bah, je sais pas ce que c'est. Il y a quoi d'autre que le lactose qui pourrait bah, être? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas été aussi malade qu'avec du lait sans lactose, mais j'ai quand même été malade. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de durer une demi-heure, ça a duré un quart d'heure. Alors que j'en ai vraiment pas mis beaucoup dans mon bol de Chocapic, mais ça a suffi. Enfin bref, bon allez, je prends un bout de gâteau avec un yaourt pour faire mon dessert. Et je vais me mettre devant l'ordinateur parce qu'il faut que je vous fasse l'article sur le gâteau au citron. Parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont me demander la recette. J'étais sur l'ordinateur. Et je me suis calée. Et j'ai réussi à m'endormir sur le bureau. Donc, je pense que c'est le signal d'alerte. Bérangère va te coucher. Donc, je vais aller me coucher. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Parce que là, c'est quand tu t'endors devant l'ordinateur, alors qu'il fait du bruit, enfin, qu'il y a un son qui sort, c'est... Non, il faut aller dodo. Et Doudou, il va me suivre, je pense. Et vous savez quoi? Il est 23h10, je crois. Miracle. À demain.